Et bien salut à tous, c'est Derko pour une nouvelle vidéo de Let's Play sur Horizon Zero Dawn. Et je vous retrouve aujourd'hui pour notre 11e épisode. La dernière fois on avait fait le premier creuset des créatures, des machines. Ce qui peut peut-être pirater pas mal le truc. Et je suis méchamment revenu en arrière, parce que bah mine de rien, on s'est pas mal avancé dans les terres, mais j'ai laissé de côté quelques quêtes, notamment la quête principale, tout ça, peut-être qu'on avance un petit peu, hein, donc bon, voilà. J'atteins niveau 22, donc résultat, on va mettre la recharge rapide pour la concentration. J'ai également fait quelques petites emplettes, notamment armes, ici. Je me suis récupéré la fronde Karja, qui me permet donc de balancer des orbes électrifiées ou gelantes. Ça me servira pour une mission de chasse, mais je l'ai pas... J'ai pas encore bossé dessus, donc voilà. Et donc, comme je le disais, on va avancer un petit peu sur mission principale. Notamment donc les pistes de la chef de guerre. Enfin la piste de la chef de guerre. Qu'il serait temps qu'on boucle vu que c'est ce qu'on a depuis le début du jeu, en fait, tout simplement. On va peut-être commencer par déjà charger les trois flèches sur l'arc de base. Je me suis rendu compte que j'utilisais vraiment très beaucoup l'arc de précision. Et mine de rien, bah, ça consomme des câbles. De refaire des flèches de précision, donc on va se calmer un petit peu là-dessus. J'ai également augmenté le volume des dialogues, puisque il y a une personne dans les commentaires qui me disait « Ouais Derko, est-ce que tu peux augmenter le volume des dialogues ?» On entend assez peu, donc bon. Je l'ai fait. Voilà. Donc, nous disions... C'est ici qu'il faut que j'aille. Donc oui, c'est vrai qu'il y a eu un massacre ici. Il y a plein de trucs. C'est quoi ça? De nombreuses machines, oui. Contrôlées par les tueurs. Ah oui, il y a eu un bon gros massacre là, dis donc. Examiner le champ de bataille, examiner les cadavres, le veilleur corrompu. La chef de guerre a peut-être laissé quelque chose, un indice sur l'endroit où elle est partie. Pourtant des gars, machin. Nora ont réussi à abattre un corrupteur. Un corrupteur, nice. J'ai l'impression que ça va vers là-bas, hein, au final. Ouais. On va avancer un petit peu. Je peux pas analyser plus que ça. Non. Portant dégâts de combat, portant dégâts de combat, c'est tout. Ouais, non. Je peux rien en tirer de plus, hein. Ils ont envoyé tout un troupeau en bas. J'analyse directement, ok. Examine le corrupteur détruit. Bah écoutez, on va l'examiner. Hein. Mais pas avant que les tueurs l'aient utilisé pour leur envoyer d'autres machines. Ouais. Et j'ai l'impression que ça continue vers là-bas en fait. Non? Ouais, si, là il y a quelque chose là. Des restes de nourriture. Les tueurs se sont reposés ici avant d'activer le piège. Un repas avant le bain de sang. Les monstres. Donc faut que j'aille parler aux survivants. Il y a un survivant. Bon bah écoutez, on y va. On avance. Juste en dessous à 20 mètres de moi. Hop. Hein? Quoi? Bah non, c'était pas... Ah! D'accord. Il est là. Bonjour. Les morts et les blessés ont tous été déplacés. Il n'y a plus de braves ni de soigneurs ici. Je suis seule. Tu es blessée. Qu'est-ce qui s'est passé? Tant de choses. C'est la folie ici. La chef de Gersona m'a nommé messager. Je lui sers à rien dans cet état. Varl m'a dit que la chef de guerre avait suivi les tueurs. Elle les a trouvés? Je sais pas. On a suivi leurs pistes, mais on était sans arrêt attaqués par des machines corrompues. Mes blessures commençaient à me ralentir. Alors la chef de guerre m'a renvoyé dire aux autres qu'elle poursuivait le combat. Tu étais ici quand les guerriers ont été pris en embuscade? En effet. Je pensais qu'aucun jour ne serait plus sombre que celui de l'éclosion. Mais j'avais tort. La chef de guerre a été retardée, elle rassemblait l'arrière-garde.
Trop pressés de se venger, les braves sont tombés dans un piège. D'un coup, des dizaines de morts. Si Sona n'était pas arrivée pour nous rallier, nous aurions tous été massacrés. Varl m'a envoyé chercher Sona. Tu sais où elle est en ce moment ? Je peux seulement te dire où je l'ai quittée. Près de la tour de métal, au sud-est des ruines de la soif du démon. Regarde la côte juste derrière, celle avec le rocher. Je me dirige vers l'étreinte pour dire ce que je sais à Varl et aux autres. Que la toute mère te prête sa force. Toute seule, t'en auras besoin. Ok, donc ça continue. Alors oui, autrement, petit point, c'est un truc qui arrive assez rarement au final, mais c'est important de le préciser. Dans l'épisode précédent, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oui, machin, dans le futur, tu pourras faire ça !» Que ce soit clair, c'est du spoil. Hein. Donc ce genre de message n'a pas sa place en commentaire de vidéo. Donc je me suis permis de supprimer le commentaire. Et si jamais ça se reproduit, bah ça sera de nouveau supprimé. Et si je vois que la personne le fait régulièrement, ce sera un ban. Voilà. Je préviens au moins comme ça c'est fait. Pour moi, ça me semblait évident, mais il faut croire que ça n'est pas aux yeux de tout le monde. Donc c'est important de le préciser tout de même. Voilà. Bon, je regardais juste la map, savoir si s'il y avait un objectif de mission sur le chemin, mais non. Alors on va en profiter pour flinguer les brouteurs là. Parce que j'ai pas le temps pour ces conneries. Voilà. Est-ce que t'as... Ah oui, j'ai aussi fait le ménage. Au niveau des loot. J'ai fait le ménage au niveau de mes améliorations et voilà, résultat maintenant je peux récupérer les améliorations en voiture, voilà. J'ai aussi revendu quelques artefacts que j'avais trouvé, notamment je crois que j'avais trouvé une montre, un couteau suisse, ce genre de choses. Alors je sais qu'il faudrait normalement que je chasse un petit peu les renards, les créatures, etc. Mais là, vraiment, la cagne. Alors, il me dit d'aller où ? Il me dit d'aller, ouais, à côté du grand coup et ici. Rejoins position tenue par machin. Ok. Donc, on a vraiment pas terminé ici, quoi. Sachant que, alors, au nord-est de là où on est, là, il y a une zone que j'aimerais bien visiter avec vous. Qui ressemble un petit peu à ici, mais bon, beaucoup, beaucoup plus grand. Je suis arrivé là-bas, il y avait une zone corrompue que j'ai faite. Sur zone, et je suis arrivé devant cette zone, je fais ouais, j'étais parti pour l'explorer, mais au final non, je vais attendre d'être en vidéo pour le faire, parce que je me dis quand même que c'est un truc qui vaut le détour, donc autant le faire avec vous. Hop là, toujours quelques petits baisses de frame, hein. Dommage quand même que le jeu soit aussi mal optimisé pour l'instant. Mais bon, surtout dans les grandes villes, enfin dans les ruines, dans les grandes ruines. C'est récent, il vient d'être dépecé. Okay. La chef de guerre s'est arrêtée là, ils ont dû prendre le temps de se reposer. Ça n'a pas dû être facile, de continuer après l'embuscade. Il y a un arc là en plus. Hein. Hop, à l'œil. Sona, merci. Et ses braves ne doivent pas être loin. Des bandages. Le messager n'était pas le seul à être blessé. Sans vraiment de surprise en même temps. Ce vieil arc a connu bien des combats. Sur les traces, c'est-à-dire, j'ai pas vu où est-ce que tu me disais qu'il y avait des traces. Ah, là. Voilà. Là, ok, j'ai. Là, je vois la piste, nickel. Ça monte ici. Je trouve que les traces. L'humidité est magnifique. De pas et du sang. On dirait que Sona et ses braves se sont dirigés vers cette saillie. Eh bah allons-y, hein, écoutez. Vas-y, Aloy, tu vas y arriver. Toujours autant d'agilité, c'est. C'est une zone corrompue, ça? Attendez. Non, c'est pas une zone corrompue du tout. Normalement.
C'est pas censé être une zone corrompue, ça. Je dois te battre. Ah! Je viens de sortir d'une session de The Witcher, résultat, j'ai plus les commandes en tête. Ok. Chelou, c'était pas marqué comme une zone corrompue, c'est-à-dire que c'est... Bah, c'est pas une zone corrompue, hein, d'accord. On est d'accord là-dessus, mais... C'est-à-dire qu'il y aura un corrupteur dans le coin. Ça, ça me rassure moyen s'il y a un corrupteur dans le coin. On va déjà recharger... Les trois flèches sur l'arc. Hop là. T'as presque fait me faire peur là, l'œil avec ton saut scripté. Allez, à l'œil. Merci. Ok, faut sauter ici. Je crois que là ça va. Un Dantzi mort. De la main de Sona peut-être. Elle est sûrement tout près. Ah ouais, d'accord. On va voir ça de suite, hein. Sachant que les Dantzi, je peux les pirater. Hein. Enfin, celui-là, il m'a vu. Donc le piratage, ça va pas le faire. Joli. T'as de la chance que je sois passé. Une seconde de plus et ce Dantzi t'aurait complètement déchiqueté. Oh non. Une seconde de plus et c'était moi qui le tuais. C'est toi, la chef Sona? Varl m'envoie te trouver. Il garde bien la porte? Avec courage. Oui. Je l'ai même vu abattre une machine corrompue. Mais il s'inquiète pour toi. On a besoin de force, pas de sentiments. J'ai retrouvé certains des tueurs de l'éclosion. J'ai besoin de vengeance. Et toi? Tu n'as même pas idée. Prouve-le-moi, en combattant avec nous. Suis-moi. Ok, alors par contre, m'en veux pas, hein, mais tu laisses un Dantzi ici, moi je... Hein. Il creuse le sol maudit. On peut descendre par là. Le péché des anciens est enfoui dans cette terre, des démons corrupteurs. Je les connais. Alors, j'ai déjà passé par ici. J'ai déjà passé par ici, hors caméra. D'où le fait que ce feu de camp soit déjà allumé. On va sauvegarder, faire une sauvegarde rapide, histoire d'être tranquille. Hop, ça je récupère. Ça je prends. Voilà, ça me comblera les points de vie qui me manquent. Je l'accueille. Qu'est-ce qu'on a ici alors? Ouais, ah, ok. Passer par là. Putain, mais ça pète au chac les oies là où tu m'en mets là. Ça fait des heures que mes braves se cachent dans les arbres en contrebas. Ah, j'étais déjà passé ici. Ils attaqueront. L'ennemi et ses machines démoniaques sont plus nombreux, mais nous pouvons compter sur notre colère. On pourrait avoir mieux que ça. J'écoute. De la flambée. On l'utilise pour brûler, eux pour faire exploser. C'est de là que vient cette fosse. Alors on l'enflamme et ensuite... Boum. Alors c'est parti. Wow, wow. Attendez, pas trop vite. Je vais essayer d'approcher discrètement. Si jamais je me fais repérer, attaquer. Ils vont attaquer dans 3 secondes chrono en main, hein, je préviens. Prouve-nous ce que tu sais faire. Je préviens, ils vont attaquer dans 2 secondes chrono en main.
Hop. Parce que, bah, le problème, c'est que... dans tous les cas, si jamais il y en a un qui me repère, tout le monde me repère, en fait. C'est le problème. C'est le souci, même s'ils n'ont pas de point de vue direct sur moi. Alors, on va essayer de faire une approche fufu en passant par là. Je pense que je vais pouvoir avoir un accès. Si je peux flinguer les humains, au moins... voyons voir. Vous allez me dire, là, j'ai... je peux passer dans les hautes herbes, là. Ok. Le problème, c'est Liv, si je le tue, celui qui est en bas, il va le voir. Quoique... alors, lui là-bas, je te vois, là. Ok, bon, bah c'est pas grave, hein. Bon, oh, ça devait être le vent. Il cherche encore. Ça devait être le vent, ça va. Résultat, là, normalement, ce veilleur-là va s'approcher de moi. Vu qu'il est pas vraiment alerté, qu'il est juste inquiet, je vais pouvoir lui faire une attaque fufu. Mmh. Tu viens ou pas? Mon coco, tu viens? Non. Si, si, si. Vas-y, viens là. Oui, partez. Non, c'est pas un cadavre, ça. Voilà. Jusque là, tout va bien. En fait, ils savent pas où je suis. Ils voient les cadavres, tout ça, mais ils savent pas où je suis. Hop, ça je récupère. Ça, c'est du loot bleu, ça? Non, c'est du loot blanc, ça. On va attendre de faire le ménage, dans tous les cas. Le mec qui s'est pris une flèche, fausse alerte, oui, oui, mais oui, oui, mais ouais, totalement. Mort. Attention, un meurtrier rôde dans les parages. Non. Je peux les voir, mais pas eux. Non. Il n'y a pas de meurtrier du tout ici. C'est bon. Finissons-en. Ah merde. Ouf. Ça, c'était vraiment très très bien, Derko. Bon, j'aurais tenu plus de furtivité que ce que je pensais, très honnêtement. Donc ça va. Ah. Ah mais... quand même. Tu ne survivras pas. Voilà. Quoi vous allez me dire, tiens? On vient de flamber au final, là ça sert à rien. Je sais même pas si ça me fait des bonus d'XP de faire péter les contenants de flamber. Voilà. Alors attendez, il y a du loot ici.
Voilà. Excusez-moi. Je veux pas te tourner la tête. Tiens, pourquoi pas. Ouf, en plein dans l'œil, nickel. Mais vas-y! Voilà! C'est plutôt pas mal ça. Hop. Alors, ouais, par contre. Alors, non, plutôt ça. Merde! Et. Ouch. Ouais, voilà. Au final, ça s'est mieux passé que ce que je pensais, mais ça s'est moins bien passé que ce que j'espérais. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à, dès la première action, que je me fasse poter et m'arraver la face. Au final, non, ça va. J'ai réussi à rester fufu pendant un petit moment. Et... mais pas à faire tout le truc en fufu. Ce qui est un peu dommage. Je vous le concède. Complètement. Allons par la Asona. Oh, il y a du loot ici, là-bas. Oh, super. Super, une lentille de veilleur. J'en ai pas du tout 50. Hop. Pareil pour les charognardes. On prend. Ok. Il reste encore des tueurs. J'en avais compté beaucoup plus pendant le massacre. Si je dois poursuivre leur ombre perverse jusqu'à la pointe de lance, je le ferai. Tu saignes. Tu es blessé. Ma santé ne te concerne pas. Nul ne doute de ta détermination. Mais tu dois te soigner. Elle a raison, chef Sona. Laisse tes blessures se refermer. Varl, mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit de garder cette porte au péril de ta vie. C'est ce que j'ai fait, jusqu'à ce que ton messager ne revienne m'expliquer sa rencontre avec Aloy et où tu te trouvais. La porte est bien protégée. Ma place est ici, avec toi, avec notre vengeance. Je ne l'ai pas méritée. Ce serait bien si je pouvais examiner les lieux. J'arriverais peut-être à retrouver la trace des autres tueurs. Fais ce que tu veux, c'est ce qu'ils font tous. Mère... examiner le site de fouille, ok. Pour les terres sacrées. On a une piste ici. On a une piste. Sauf que la piste va dans l'autre sens, évidemment. Sinon, c'est pas marrant. La piste va vers là-bas. Ah. Lieutenant, au cours des derniers mois, des explosions accidentelles de flambées ont tué de nombreux hommes. Ici, à l'anneau de métal, j'ai pris la précaution de placer tout notre stock de flambées en sécurité, à l'abri des étincelles et de la lumière. J'ai posté des gardes pour contrôler l'accès. Je vous conseille de prendre des mesures similaires. Vous en subirez les conséquences. Le responsable du ravitaillement, terminé. Une réserve de flambées dans leur base. Si on sabote ça, on gagne la bataille. J'ai quelque chose. Le reste des tueurs campent à l'intérieur d'un anneau de métal. Est-ce que ça te dit quelque chose? Bon sang. L'anneau de métal se trouve dans les ruines du deuil du démon. Cet endroit est tabou. Ouais, mais moi j'ai le droit d'y aller. Je vais retourner voir les matriarches. Leur demander un passe-droit. Elles diront non. On n'a pas assez de temps pour ça. Comme toujours, le sang appelle le sang. Si le sol est maudit, que notre vengeance le sanctifie. Quel blasphème! Je vous en prie, chef Sona, il faut briser les tabous. Le deuil du démon est un lieu maudit. Mais la bénédiction de la chercheuse sera avec nous. Piste nos ennemis, trouve-les. Mais garde tes flèches, nous nous retrouverons dans cet endroit atroce et nous frapperons ensemble. Ça a l'air d'un bon plan. À tout à l'heure. Et le deuil du démon, justement, c'est là où je voulais aller, c'est le fameux endroit dont je vous parlais.
C'était un lieu de concert. Il y a un lieu de concert qui était pas loin d'ailleurs au passage. J'ai vu ça avec un... Comment ? Vous savez, un truc holo. Tac, la vengeance des Nora, c'est là. Et donc que je vous montre si c'est bien. Ouais, c'est exactement là où je voulais aller. C'est cette zone-là. C'est rigoureusement cette zone-là. Bon, bah écoutez, est-ce qu'on n'a pas un feu de camp dans le coin ? On a un feu de camp juste là. Avec un site de galopeur, je peux essayer de... Je peux essayer de récupérer un galopeur. Ah non, mais c'est en hauteur. Donc ouais, on va plutôt prendre ce feu de camp ici. Ah, il y a une tyrolienne. Nickel ça. Et mine de rien, là, 800 mètres, c'est un peu loin. Je fais ça tous les jours dans Star Citizen, mais... Mais là, voilà quoi. On va se prendre un galopeur, ça ira très bien. Hop, ça, pourra ça me je servir. Prends. Ça aussi. Ça aussi. On va faire une sauvegarde. Hop là. Sauvegarde manuelle sur la tranquille. Et on va se récupérer un galopeur. Voilà. Nickel. Debout. Allez, c'est parti. Et direction la pampa là-bas. Alors, est-ce que tu vas pouvoir passer? Ouais, ici il y a un chemin. Je viens de marcher sur une dinde, la pauvre. Pas du tout. Et le renard là, dégage, voilà, merci. Donc au final là, ma mission principale recoupe ce que je voulais faire dans l'épisode, donc ça me va très bien. Écoutez, je vais pas accélérer un peu mon gars. Pas aussi rapide que la blette, hein. J'aurais dû récupérer ce que le renard a droppé, mais bon, c'est pas grave. Joseph. Pardon la dinde, putain mais... Arrêtez de vous foutre sous mes sabots, quoi, je sais pas. La bestiole qui me court après. Ah, par contre, je crois que dans le coin, il y a... Voilà, il y a les testudiens, un truc comme ça, je crois que c'est. Bref, les sortes de crabes, là. Alors, eux, quand ils sont un ou deux, ça va, mais quand il y en a quatre en même temps... C'est tellement l'enfer. Ah, il est crasheur pour souffler, quoi. Sérieux. Ah, attendez, 30 secondes. C'est quoi, c'est le charognard, là? Il y a les veilleurs aussi. Bon, j'ai 300 mètres à faire, on va pas s'arrêter. On va tracer dans tous les cas. Ils peuvent pas me rattraper, je suis avec le galopeur. Et voilà, c'est de ça dont je vous parlais. Alors, si je me rappelle bien, j'avais laissé un dent de scie. Voilà, j'avais laissé un dent de scie ici. Il n'est pas tout seul. C'est ça. Je peux essayer de me démerder pour le pirater, histoire de passer tranquillement sans avoir besoin de me battre contre lui. Sachant que bon, par contre, évidemment, lui, je peux pas le monter par dessus. Enfin, je peux pas monter dessus. Hop. On est bon. De lapin. Il n'y avait pas des... Alors oui, par contre, désélectionner la piste. Il y avait désactiver le marquage aussi pendant qu'on y est. Il me semblait qu'il y avait des... Bon.
Il y avait les veilleurs, mais non. Non, non. Écoutez, à la limite, ce que je peux faire, c'est le flinguer, le... Ils sont là, les gars. Se reposer au feu de camp. Ouais. Alors, juste 30 secondes, je fais une sauvegarde manuelle. Je vais pas faire la sauvegarde rapide de suite, parce que j'aimerais d'abord me faire le... Attends, c'était quoi ce bruit? Ça pète vers là-bas. Dans le loot, je préfère ne pas avoir le dent de scie dans les pattes. Résultat... Ouais, t'es toujours contaminé, enfin t'es toujours piraté. Bon, je vais faire le truc, c'est pas grave. Hop là. Non, Koto, Koko, c'est là que ça passe. Viens là, c'est bon. Viens là. Wow. Mauvaise touche, c'est pas grave. Bien ça. Franchement, je viens d'inventer le mouvement perpétuel avec ce truc là. Excusez-moi. Franchement, le lance-câble. Garde ça pour plus tard. C'est tellement putain d'OP. C'est OP. Ok, donc ça maintenant ça c'est fait. Résultat, vous là-bas. Alors, je vais récupérer les quelques pourcents de budget qui me manquent avec ça. Et on se repose au camp. Taille du démon. Ce sera plus difficile que je le pensais. Tu te demandes jamais à quoi ça pouvait ressembler? À l'époque des anciens? Tu n'es pas comme les autres, Nora. On me le dit tout le temps. Chef Sona, nos hommes ont trouvé des camps ennemis dans les ruines, sur le chemin menant à l'anneau de métal. Alors on doit s'occuper de ces camps en premier, pour qu'ils ne sonnent pas l'alerte. Très bien. On vide les camps, et nos ennemis dans l'anneau de métal ne verront rien venir. Je vais désactiver les alarmes. Envoyons des braves dans chaque camp, tapis dans l'ombre. Tu commenceras, ils finiront. Donc on va devoir essayer de la faire vraiment full fufu au final, hein. On a trois camps, un qui a même pas 200 mètres, l'autre qui a 400 mètres, l'autre qui a 440 mètres, ok. Doucement, doucement. Alors dans le doute, on va quand même charger la totalité. On va faire une petite sauvegarde rapide. Ici. Nickel. Elle est en train de motiver ses troupes, très bien. Il y a des chars d'assaut un petit peu partout là. Un veilleur corrompu. Il faudra que je me le fasse rapidos. Il faudra que je me le fasse vitef. Une sorte de pouvoir de problème. Si ça n'a l'air, je l'ai dans l'os. Ça, c'est bouclé. J'ai un humain là, j'ai un verre corrompu là. Système d'alarme. Ok. Passer plutôt ici. Je vais dire que pendant tout ce temps, les machines étaient censées. Chut. Il fouine encore. Je
Mais ils ont attaqué. Ils ont commencé à attaquer alors que... C'est pas grave, hein. Ils ont commencé à attaquer alors que j'avais pas fini l'attaque fufu. Ok. La secte des machines, carrément. C'est le nom des méchants. J'ai cru que je m'étais bloqué, mais non. Ah, attendez. Toi, là. Ah, toi, t'es complètement décédé, toi? Non, tu te relèves, d'accord. Ok, donc ça, c'est bon. Donc en fait, les alliés, quand ils se font tuer, ils sont pas vraiment tués, quoi. Ils sont juste... oh là là, j'ai besoin de me reposer. Le mec, il se prend 3 balles dans la tête. Non, je me repose 5 minutes, et puis... puis c'est bon. Le suivant est à 200 mètres. Let's go. Par contre, vous allez me faire croire que là, dans une zone comme ça... D'ailleurs, en termes de... Ça, on s'en fout. Je vais augmenter aussi ma capacité en flèche de précision. Je suis à 30 flèches de précision maintenant, ce qui est quand même plus confortable, même si je me suis dit que ce n'était pas une bonne idée de trop en abuser. Mais quand même. Hein. Oh, un loot rare. Récepte atlantique. C'est vrai que là, on est en pleine zone que je vous montre. Hein. Là ici il y a des... Y a une fleur de métal à récupérer aussi. Pour le coup ça je récupérerai ça plus tard de mon côté. On va commencer par celui de gauche plutôt. Ça me paraît pas mal. Encore que il y a un feu de camp pas loin. Donc on pourrait essayer de prendre d'abord le feu de camp. Feu de camp à droite. On va d'abord faire le feu de camp. On va aller sur le camp marqué 1 et ensuite sur le camp marqué 2. T'es accroupi à l'œil, merci. Ouais, il devait y avoir corrompu. Normal. Là, pour le coup, ouais, je réussis bien à faire la furtivité, je suis content. Pas aussi bien que ce que je voudrais faire, mais... Mais il y a du mieux comparé à... deux épisodes. Trois épisodes. Au début du let's play. Au début du let's play, plutôt. Ah, ok. J'ai complètement loupé le feu de camp et je suis directement sur la zone. Vous allez me dire, non, ils font même pas partie du camp, eux. Donc ça sert même à rien que je les affronte, pour l'instant. Ça sert à que dalle que je les affronte. Il y a un feu de camp qui est juste là. Je le savais. Et on va sauvegarder pour continuer un petit peu. Voilà, nickel. Maintenant, le camp est à 80 mètres. 80 mètres de moi, donc ben, on va y aller. Allez, d'accord. Valjean. Détruire l'alarme, nettoyer le campement. Toi, t'es tout seul, là. Qui, moi ? Merde. Je la vois ! Évidemment, il fallait qu'il se retourne pile au bon moment, quoi. Thank you.
quel moment. Ah mais d'accord. Eux ils se font attaquer genre sévère. D'accord. T'es blindé, c'est ça monsieur? Voilà. Ils sont quand même moins dangereux que les drones-ci, hein. Aïe, mais attaque à l'œil. Oublie ce que j'ai dit, je suis une quiche en infiltration. Mais en plus, je vise comme un pied. Chez lui. Il en reste deux ici. Putain, mais c'est pas possible ça. Toi, je t'avais pas vu toi. Eh bah dis donc. Toujours froid, Honora. La menace est passée. Pour l'instant. Bon. Tout ça c'est fait, ça on s'en fout. Ça on s'en fout. J'ai pas fait gaffe au loot qu'ils avaient, mais j'ai l'impression qu'ils avaient. Ah si. Là, loot bleu, je prends. Et loot. Pour la déesse. Blanc, on s'en fout. Il y a du loot vert là-bas, je prends. C'est quoi ça? Ça peut toujours servir. On va voir l'heure qu'il est. Je suis presque furtif. Je tiens à préciser tout de même, presque furtif. Le dernier est à 200 mètres. On va continuer en faisant le tour vers là-bas, tiens. En tout cas, très jolie architecture. Toi, t'es un allié, toi. Oui, t'es un allié, toi. Putain. Difficulté à voir qui sont les alliés, qui sont les ennemis dans le jeu, des fois. Allez, je l'ai pas encore dit. Mais bordel, qu'est-ce que ce jeu, il est beau. Quand même. Alors ouais, depuis tout à l'heure, j'ai fait courir à l'œil, tu m'étonnes qu'elles sont un peu essoufflées. Je vais mettre ça de côté. Ok. Bien. Voilà, j'ai vraiment pas eu de bol en fait. Hein. Au moment où je voulais backstab le mec, il s'est retourné, donc pas de chance, pas de chance. C'était quoi ça ? Coucou toi. J'avais pas vu que t'étais là, toi. Est-ce qu'il y a... Je vois 5, 6 âmes qui vivent. Avec les Nora alliés qui sont déjà là. D'accord. La flèche qui passe à travers? Non mais oui. Oubliez-moi. Voilà, je ne suis plus là. Alors attendez. T'es tout seul toi, on est d'accord, t'es complètement tout seul. C'est le corps de qui ça? On a un mort ici. T'as rien vu.
C'est faux, il n'y a pas de mort. Ah, ouais, le problème c'est que lui, si je tire dessus, ses potes vont le voir. Attendez, quoi que, c'est pas sûr. J'ai bien failli être touché. Ah, mais genre, ils m'ont vu. Mais à un moment donné, mes flèches, elles sont immatérielles ou comment? Ah, je suis pas avec le bon arc. Si, je suis avec le bon arc. J'ai voulu crafter des flèches, je me disais. Quand même. Bon, là, il y a beaucoup plus de chasseurs, hein, et en plus, il y a des. Non. Tu couches, s'il te plaît. Merci. La corruption qui fait chier le monde. C'était un plan presque sans accro. Hein. Presque. Oula, c'était quoi ça? Ah mais... Eh bah nickel! Notre proie a été abattue. Bien. Rejoindre la plus haute tour. Alors oui, je veux bien. Pas de place. Mais on est déjà à 47 minutes de vidéo en fait. Alors moi j'aimerais beaucoup continuer d'explorer tout ça. Avancer dans le scénario, mais déjà que l'épisode précédent il était un petit peu long, on va peut-être regagner d'abord un feu de camp, en plus là il me dit que je vais en découvrir un, qui est juste là en effet, et puis après on ira ici. Mais ça serait que l'épisode 12, l'épisode de jeudi en fait. Non? Alors oui, je sais, c'est un peu dommage hein, de couper l'action en plein milieu, tout ça. Et que les cliffhangers, c'est jamais intéressant. Enfin, c'est jamais marrant, hein, voilà. Mais dites-vous que ben, je suis dans la même situation que vous. Hein, sauf que j'ai quelques jours d'avance sur vous. Mais dans tous les cas, moi aussi ça me fait chier de devoir attendre de tourner l'épisode suivant pour pouvoir continuer en fait l'histoire. Parce que là je vais juste faire un petit peu d'exploration, genre comme je disais, je vais récupérer les réceptes atlantiques, la fleur de métal. Ça c'est quoi ça? Je sais même pas ce que c'est, mais je vais voir ce que c'est. Je vais aller voir la fleur de métal qui est ici, je vais récupérer le... activer en fait ce truc là, mais je n'irai pas ici parce que le projecteur on le courir ensemble, et puis voilà, bref, tout ça pour dire que moi aussi il faut que j'attende plusieurs jours avant de savoir ce qui va se passer, donc on est dans le même bateau, hein, bref, comme je le disais, hein, ça fait presque 50 minutes de vidéo, donc c'est une bonne durée d'épisode, on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 11, J'espère sincèrement en tout cas qu'il vous a plu. Je suis content. À la base, je voulais vous montrer cette zone. Bah, il s'avère que la mission principale nous y a mené. Donc, le hasard fait bien les choses. Si cet épisode vous a plu, en tout cas, je vous encourage à laisser un petit like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir. Et surtout, comme je dis toujours, n'oubliez pas, prenez soin de vous, amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.